un petit doré jaune. Hop, hop, hop. Comme vous avez vu, hein, on est présent aujourd'hui sur le Grand Lac Abitibi. Bien après. Un beau petit doré jaune. Il doit faire un 13-14 pouces. On va pouvoir le conserver pour un bon repas de doré. Donc, aujourd'hui, ma capsule, je voulais vous montrer, hein, une capsule qui peut sembler anodine, mais la façon de bien placer un menet sur notre hameçon. Personnellement, j'utilise toujours des hameçons simples. La raison, 100% de mon ferrage va sur une pointe d'hameçon. Puis ensuite de ça, ben, ici, l'eau au lac Abitibi, il y a environ 3 pieds d'eau en dessous de la glace. Donc, quand on prend des gros poissons, si vous pêchez avec des trépieds, trop souvent, le poisson, il saute de côté. Puis, si jamais il y a des pattes du trépied qui ne sont pas dans la bouche du poisson, ben, on reste accroché en dessous de la glace. Donc, un hameçon simple. Fait que, je prends mon menet. Si je peux réussir à ouvrir le sac. Je prends mon menet. Ce que je vais faire, je vais piquer la pointe de l'hameçon dans le dos du menet. Je vais ressortir dans le vent. J'ai sorti mon hameçon dans le ventre. Puis dans le fond, ce qui est le plus important, c'est d'envoyer la pointe de votre hameçon vers la tête. Fait qu'on pique la pointe de l'hameçon dans le ventre du menet, mais la pointe vers la tête. Ça, c'est important. Puis je vous explique pourquoi. Fait que je plaisante mon menet super beau à l'horizontale comme ça. Pourquoi je mets ma pointe d'hameçon vers la tête? Bien, tout simplement parce qu'un poisson, lorsqu'il va avaler, lorsqu'il va manger un petit menet, il va toujours l'avaler tête première. Donc, si ma pointe d'hameçon est vers la tête, aussitôt que le poisson commence à placer le menet dans sa bouche pour l'avaler, bien, la pointe de l'hameçon va déjà être dans la bouche du poisson. Je vais pouvoir effectuer mon ferrage, puis l'hameçon va être bien placé dans le palais du poisson. Fait que c'est très simple comme conseil. Mais c'est une importance, je vous dirais, capitale pour avoir un bon taux de succès au ferrage lorsqu'on pêche avec n'importe quel type de brimbale, comme mes brimbales à moulinet submergé. Si vous pêchez avec des brimbales normales, c'est exactement la même chose. Si jamais vous utilisez des trépieds, la façon de faire, moi souvent, quand j'utilise des trépieds, très rare, mais vous placez deux hameçons piqué dans le ventre du menet. Donc, il va y avoir un hameçon qui va être à l'extérieur du menet. Personnellement, un hameçon simple, ça a toujours été très, très, très efficace pour moi. Sur ce, je vous souhaite une bonne saison de pêche blanche.